en train de boire le petit déj du brasseur, comme dit Julien, du mou, bien chaud. Voilà, c'est rempli de maltose et d'extrait, donc c'est des sucres simples, facilement assimilables. Ça nous permet de tenir jusqu'à 13-14 heures sans manger, et on est en pleine forme, quoi. À faire ce qu'on appelle un single hop, donc un seul houblon sur toute la fabrication. De toute façon, s'il a 10% d'acide alpha, même si c'est un houblon plutôt aromatique, il marchera aussi bien pour l'amertume, hein, parce que 10% c'est très bien. Et bon, là on a dit 1 kg, au début Nico avait prévu 600 grammes. J'estime que on va quand même faire une bière une collaboration entre deux brasseurs, donc il faut marquer le coup. Donc on va charger un peu plus la mule. Au niveau des épices, si tu veux, on peut faire un mélange orange douce et orange amère. Hein. Je sais que tu voulais un goût un peu orange, je pense que ça accompagnera très bien ce genre de houblon. Je pense qu'il faut mettre quasi 1,5 d'orange douce et amère, et là on vient de mettre le dernier houblon aromatique qui va rester encore donc 10 minutes. Voilà, tiens. Et santé. Voilà, bah merci Petite Mousse de venir faire ton brassin ici. Bah, merci de nous avoir accueillis en tout cas. Ça s'est super bien passé, le brassin est terminé. J'étais venu avec une recette un peu timide côté houblonnage parce que je savais pas trop où Julien voulait, on savait pas trop où aller. Finalement, on a improvisé un peu en cours de brassage et on a balancé pas mal de houblons. On a aussi mis beaucoup d'écorce d'orange, plus qu'il en faut d'habitude pour bien sentir le côté orangé. Ça devrait être pas mal du tout, il n'y a plus qu'à attendre 3 semaines, voire un mois avant de déguster. Voilà. Et voilà, donc aujourd'hui, bah, Petite Mousse il est dans ses locaux pour venir faire sa recette à lui, puisque c'est pas une recette que la Dauphine va vendre, c'est une recette de la Petite Mousse, fabriquée par nos quatre mains. Et voilà.